Emmanuel Sanon, c'est un pasteur, journée aujourd'hui, qui trouvait embâmé la justice. Et que Gérald Bataille avec Gérald Forge, c'est deux présumés pasteurs, journée aujourd'hui, que la justice convoquait pour venir répondre à la question. Jusqu'à journée aujourd'hui, enquête ça, la poursuit et moun qui en pile nan nous pas ta pensée, gen meyo trempé nan dossier si la. Monsieur dame la famille, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. De bonne amende côté qui le wap gade vidéo ça. N'a pas rappelé ou sous Genange qui toujours là pour porter bon gens information analyse sous ça qui vient pour avec politique la caille nous ou même qui déjà abonné avec channel là qui donne prend quelques secondes pour nous saluer et puis remercier et ou même qui a regardé vidéo ça qui peut-être beaucoup abonné avec channel là n'a invité ou abonné avec channel là pour nous capable à grandir communauté à j'en ai annoncé Emmanuel Sanon. C'est un monde qui impliqué dans zak assassinat qui fait sous président République là. Eh bien, journée aujourd'hui qui trouve l'embamé la police cap répondre question la police et la police dans enquête que yo même y a poursuivre t'assemblée Gérald Bataille avec Gérald Forge game yo trempé dans dossier ça tout. Alors nous c'est une bagaille qui fait que secteur évangélique lui-même l'a sorti dans silence li divers pasteurs après les dans radio pour yo a témoigner pour y a bail pour une vie sous dossier si là comme ça tout gain pasteur qu'a mandé faire journée jeune qu'a mandé faire veille de nuit yon façon pour capable laver pasteur sa yo nan dossier sa. Amel Lafleur c'est yon nan moun nou te wè qui toujours gen service li online qui tap mandé gros requête prière pour pays d'Haïti pour autorité la caïnou avec pour yon paquet pasteur. Alors j'en nou toujours dit le micro ça secteur évangélique lan toujours pensé que yon même yon pas impliqué dans ça qui a passé dans pays a. Nous souvent ouais depuis gagné yon zak nan peyi a, soit yon zak assassinat, soit yon zak kidnapping, peu importe zak liye yon, secteur évangélique lan li même, pi précisément protestant, yon toujours rete nan silencieux. Yo pa jam di anyen nan sa ka pase an dan peyi a, yo pa jam deside met men yo a la pat, se kom si sa ka pase nan peyi a, secteur evangélik lan li men, li pa responsable ou bien sa ka pase a yo men, yo pa nan men mou la avec nou. Se ou nan bagay nou toujou preche de mikro sa. Gen divers lot secteur an dan peyi a, ki souvent fè silencieux le genye yon bagay ka pase an dan peyi a. C'est-à-dire, nous souvent, ouais, c'est catholiques eux-mêmes. Yo souvent a fait des grands marches, catholiques eux-mêmes, yo toujours sensibiliser moun, yon façon pour yo capable mettre men yo nan pat nan sa ka passé en dan pays a. Alors, nous te capable ouais sur internet là et te passé yo nan yon service qui te gagné dans l'église et chrétienne, comment kidnapper ou même yon tentré yon te kidnapper yon paquet pasteur qui tape fait service évangélique en dans l'église là. Alors, ça c'est une bagaille que nous pensons les actes malhonnêtes ça lui même, li te produit en dans l'église ça qui te trouvé dans carrefour, en pile moun te espéré que secteur évangélique, plus précisément chrétien yo, c'est une gazelle comme ça, t'as pas le prendre dans la rue. Yo t'a pral comme si vin foure me yo nan pap nan sa ka passé nan pays a jounen jodi an. Mais moun sa yo, ce sont des moun qui toujours rete nan silencio, c'est moun qui toujours mette quoi yo sous côté, c'est comme si ça ka passé nan pays yo même, yo pa impliqué. Alors encore une fois, nous wè que secteur évangélique lan li même li impliqué nan yon série de bagay ka passé an dan pays a. La fois dernière kidnapper peut-être dans l'église ou pour kidnapper ou, mais fois ça c'est yo même qui impliqué dans zak assassinat qui ça bagaille ça lui-même qui impact li pral fait sous chrétien qui vivent dans pays à journée aujourd'hui qui ça et moun à travers l'autre pays
Vous comprenez? Secteur, l'autre évangélique qui vit dans l'autre pays, qui ça ou même vous pral penser des secteurs ça en d'un pays? Son, comprenez, soit quelle gros question qu'a posé sous dossier ça. Et jour jodien, nous avons ces gros et conférences qu'a fait. Jour jodien, nous avons ces gros requêtes prières que divers pasteurs ont demandé. Parce que voilà, il y a un monde qui t'a pensé, yon pasteur t'a gen mel trempé nan yon dossier si la. Son bagay ki kite yon gros point d'interrogation, an pil moun ap mande a ki objectif pou ki sa ke pasteur sa yo menm yo choisi impliqué nan jan de bagay sa yo. Alors an pil moun toujou konnen pou yon moun ou rekonèt ki es souye c'est devant l'ajan, pou yon moun ou konnen qui est oui vraiment c'est là où fait une offre et puis là où pas garder niveau tentation. Alors c'est une bagaille qui fait un pile monde à poser question sous dossier ça. Est-ce que c'est peut-être c'est ta corbe qui t'a détourné et pasteur ça qui fait lui même il t'a choisi impliqué dans dossier si là. Son dossier qui extrêmement grave, son dossier tout en pile moun a posé gros questions sous lui et son dossier tout noué qui très sensible. Alors moun yo c'est parti qui est à prendre, c'est sous côté à toucher parce que dossier ça lui-même son dossier qui était un gros point d'interrogation dans la République. Restez connecté avec GNG pour nous capable porter plus information pour vous sous dossier si là. Restez connecté tout pour vous capable de gagner toute dernière information sous enquête qu'a fait sous ancien président nous, Jovenel Moïse, qui yon même yoté assassiné dans résidence li. Déjà nous remercier ou même qui t'a regardé vidéo ça, ou même qui t'a offert nous temps, ou même qui t'a pris yon petit temps pour regarder vidéo ça et qui ou même nous connaît tout qui déjà pas le partager, qui pral quitter un commentaire et puis qui pral dit nous qui sort penser des dossiers ça, yon pasteur qui impliqué dans zak assassinat. Quant à pour nous même, n'a pas le sou wap rejoindre nous encore dans l'autre vidéo pour plus bon gens information. Emmanuel Sanon, c'est yon nan pasteur jounen jodian qui trouvé l'embamé la justice et gen Gérald Bataille avec Gérald Forge, c'est deux présumé pasteur jounen jodian que la justice convoqué pour venir répondre question. Jusqu'à jounen jodian, enquête ça la poursuit et moun ke en pile nan nou pas ta pensé gen men yo trempé nan dossier si la. Monsieur dame la famille, gros bonjour bonsoir pour nous toutes. De madame de côté qui le wap gade vidéo ça, n'a pas rappelé ou sous Genanger qui toujours là pour pote bon jan information, analyse sous ça qui gen poué avec politique la kainou. Ou même qui déjà abonné avec channel là, qui den prend quelques secondes pour nous saluer et puis remercier ou, et ou même qui ap gade vidéo ça qui peut-être beaucoup abonné avec channel là, n'a pas invité ou abonné avec channel là pour nous capable à grandir communauté. Jan de annoncé Emmanuel Sanon, c'est yon nan moun ki impliqué nan zak assassinat ki fait sou président République lan. Eh bien jounen jodian ki trouvé l'embamé la police kap répond question la police et la police nan enquête ke yo même y a poursuivre t'assemblé Gérald Bataille avec Gérald Forge gimé yo trempé nan dossier sa tout. Alors noue c'est yon bagay ki fait ke secteur évangélique lan lui-même la sorti nan silence li. Divers pasteurs après les nan radio pour yo ap témoigner pour yo bay prendre vie sous dossier si la konsa tout gen pasteur kap mande fè jounen jeune kap mande fè veille de nuit yon façon pour capable laver pasteur sa yo nan dossier sa. Amel Lafleur c'est yon nan moun nou te wè qui toujours gen service li online qui tap mande gros requête prière pour pays d'Haïti, pour autorité la caïnou avec pour yon paquet pasteur. Alors, j'en ai toujours dit le micro ça, secteur évangélique là toujours pensé que yon même yon pas impliqué dans ça qui a passé dans pays. Nous souvent, depuis gagné
yon zak nan peyi a, soit yon zak assassinat, soit yon zak kidnapping, peu importe zak liye yon, secteur évangélique lan li menm, pi précisément protestant, yo toujou rete nan silansyo. Yo pa jam di anyen nan sa ka pase an dan peyi a, yo pa jam deside met men yo a la pat, se kom si sa ka pase nan peyi an, sektèr evanjelik lan li menm, li pa responsab ou bien sa ka pase a yo menm, yo pa nan menmou la vek nou. Se ou nan bagay nou toujou preche de mikro sa. Gen divers lot sektèr an dan peyi a, ki souvan fè silansyo le genyen yon bagay ka pase an dan peyi a. C'est-à-dire, nous souvent, ouais, c'est catholique eux-mêmes, ils souvent a fait des grands marches, catholique eux-mêmes, ils ont toujours sensibiliser moun, ils ont façon pour capable mettre men yo nan pat nan sa ka passer en dan pays a. Alors, nous t'es capable ouais sur internet là et t'es passé yo nan yon service qui te gagne dans l'église et chrétienne, comment kidnapper ou même yon tentre yon te kidnapper yon paquet pasteur qui tape fait service évangélique en dans l'église là. Alors, ça c'est yon bagay que nous pensons les actes malhonnêtes sa li même li te produit en dans l'église là qui te trouvé nan carrefour en pile moun te espéré que secteur évangélique plus précisément chrétien yo sin ka dire comme ça t'a pral prendre dans la rue. Yo t'a pral comme si vinn fouer mais yo nan pap nan sa ka passer nan pays a jounen jodi an. Mais moun sa yo ce sont des moun ki toujours rete nan silansyo, c'est moun ki toujours mette quoi yo sous côté, c'est comme si sa ka passer nan pays an yo même, yo pa impliqué. Alors encore une fois, nou wè ke secteur évangélique lan li même li impliqué nan yon série de bagay ka